cela permet de soumettre certaines personnes qui font l'actualité à des questions intéressantes qui peuvent être utiles pour vos différents lecteurs, vos différents auditeurs et téléspectateurs. C'est une initiative qu'il faut encourager et c'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu favorablement à l'invitation qui m'a été faite donc d'être aujourd'hui parmi vous. Il n'y aura pas, en ce qui me concerne en tout cas, de sujet tabou, hein, il n'y aura pas de langue de bois. Et je répondrai avec toute l'ouverture de la sincérité d'équipe à toutes les questions que vous pourriez éventuellement me poser. Et je dois dire que notre pays traverse aujourd'hui une situation politique, économique et sociale particulièrement difficile. Nous sommes dans une crise politique qui perdure et dont on ne voit pas les perspectives de sortie, d'autant que aucune initiative n'est prise, nulle part, pour organiser un minimum de concertation et de dialogue entre les parties qui sont en conflit. Aucune initiative n'est prise ni par la société civile, ni par la communauté internationale quant au rapprochement des positions de manière à aplanir les contradictions et les divergences. Donc nous avons le sentiment que les choses vont aller en s'aggravant et que les jours, les mois à venir seront particulièrement difficiles dans notre pays, d'autant que nous avons à l'horizon des élections d'envergure qui se préparent, les élections présidentielles. Et tout ceci, déjà normalement, même dans un climat politique non crispé, dans un climat normal, déjà suscite évidemment des convoitises, donc par ricochet, et crée des situations conflictuelles. À plus forte raison, maintenant qu'on est déjà dans une situation particulièrement délicate. Et nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous de l'opposition, évidemment, je vais parler avec le nom de l'opposition. Nous avons toujours été ouverts au dialogue, nous avons toujours suggéré que les problèmes guinéens seraient autour d'une table, et malheureusement, nous avons eu en face de nous une classe politique qui est rompue à la ruse, aux subterfuges, aux intrigues, aux petits jeux, aux mensonges, et qui a toujours tout fait pour grignoter, gagner du temps, jouer la montre, nous tromper l'opinion, de manière à nous mettre dans la situation d'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est une situation que nous avons vu venir depuis très longtemps, nous savions que c'est ça qu'on devait faire. On voulait nous amener à une situation, à un moment tel que l'organisation, par exemple, des élections communales soit rendue impossible par la nécessité de tenir le délai constitutionnel d'organisation de la présidentielle. On savait qu'on nous amenait là, on a tout fait pour nous amener petit à petit, et nous avons tiré la sonnette d'alarme, nous avons tapé sur la table, nous avons organisé des dialogues, mais tout ceci n'aboutit absolument à rien parce que tout ceci se faisait avec une arrière-pensée de ce pouvoir. C'était de nous mettre devant une situation de fait accompli. Comme vous le savez, on a eu un dialogue qui s'est tenu en juillet 2013 et s'est achevé par la conclusion d'un accord, l'accord politique interminien du 3 juillet 2013. Cet accord n'a été exécuté qu'en partie. Seules les dispositions directement liées aux élections législatives ont été mises en œuvre, et là aussi, partiellement. Toutes les autres dispositions contenues dans l'accord ont été ignorées, totalement occultées par le pouvoir. Et compte tenu du fait que nous sommes rendus compte qu'il y avait un retard dans la mise en œuvre de cet accord, nous avons demandé un autre dialogue qui s'est tenu cette fois-ci en juillet 2014, une année après. L'objet de ce dialogue-là, c'était de faire une revue des dispositions de l'accord du 3 juillet, identifier les obstacles à la mise en œuvre de certaines des mesures qui avaient été consensuellement arrêtées et trouver des solutions pour lever ces obstacles. Mais malheureusement, là aussi, vous avez suivi, le dialogue a eu lieu. Et pour une fois dans le monde, on a pu tenir un dialogue, l'achever par un consensus, sans pouvoir signer le moindre accord. On a vu des dialogues qui s'achèvent sans accord, les protagonistes se quittent comme ça, sans parvenir à un consensus. On a vu des dialogues aboutir à un accord qui n'est pas toujours respecté, mais un dialogue se terminer par un consensus sur l'entièreté des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, et qu'on ne puisse pas signer le relevé de conclusion ou l'accord résultant de ce consensus, ça ne s'est jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir s'est rendu compte qu'avec cet accord, le processus électoral allait connaître un minimum de transparence. Avec cet accord, il aurait été difficile de ne pas organiser, par exemple, les élections communales à date, ou en tout cas à temps. Donc, lorsque le compte rendu a été fait au président de la République, il ne s'est pas gêné, il a désavoué les 6 membres du gouvernement qui ont participé à ce dialogue-là en juillet 2014, désavoué les 10 membres du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Désavouer les membres de la CENI, évidemment contredire l'opposition, en s'opposant à la signature de l'élevé de conclusion. Autant vous souvenez très bien, lorsque vous avez
découvert ce dialogue de juillet 2014, quand nous sommes sortis de la salle, à la fin du dialogue, chaque parti s'est adressé à la presse. Le RPG l'a fait, l'opposition l'a fait, et le ministre Sakho, qui était le président du cadre de dialogue, aussi l'a fait. Nous avons tous dit qu'un accord entier et total avait été trouvé autour de tous les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous nous sommes félicités de l'esprit de responsabilité.